La technique que je vais vous présenter aujourd'hui est une technique extrêmement simple. Elle s'appelle la stamp technique, donc la technique du tampon. Lorsque le patient se présente avec une carie qui touche juste l'émail et un peu la dentine, mais qui ne délabre pas toute la surface occlusale de l'émail, on va pouvoir l'enregistrer, la mettre de côté avec un petit tampon. Donc c'est ça la stamp technique. On fait un tampon en fait de la surface occlusale. On réalise notre carie, nos parois, et à la fin de la fin, on vient mettre ce petit tampon pour avoir la même surface que ce qu'il y avait au départ. Ce qui est bien, c'est que ça va préserver les cuspides, les sillons, on a une anatomie originale de la dent, et il n'y a même pas de réglage d'occlusion après. On va vous montrer toutes les étapes chronologiquement pour que vous puissiez ensuite facilement reproduire ça à votre cabinet sur vos patients.